Si ton iPhone affiche le message iPhone limité au propriétaire, voici un iPhone 12 qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et actuellement on me demande l'identifiant Apple et le mot de passe et je ne connais pas. Alors, pas de panique, voici la partie 2. 24 heures sont passées et voici mon iPhone. Voici le mail que j'ai reçu de notre application. Nous pouvons désormais activer notre iPhone. Et pour activer, c'est très simple. Nous allons ouvrir l'application, nous allons connecter notre iPhone. Une fois l'application ouverte, comme vous voyez, on nous demande d'aller directement et appuyer sur Start. Puisque l'enregistrement a déjà été fait, le paiement c'est une seule fois à vie. Avant de continuer le processus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram maintenant et aussi à ma chaîne YouTube. Je vais connecter l'iPhone au Wi-Fi pour vous montrer que l'iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Et comme vous pouvez voir, c'est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. On demande l'email et le mot de passe. Maintenant, nous allons cliquer sur Start. Et voilà, notre iPhone a été déverrouillé avec succès. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez tout simplement écrire une revue. Comme vous pouvez voir. Et pour tous ceux qui pensent que c'est faux, alors allons sur Trustpilot. Sur Trustpilot, elle a une note de 4,8, donc avec 3000 revues. Comme pour dire que ce n'est pas une arnaque, maintenant on va aller et on va mettre la carte SIM. Tout va marcher comme un iPhone normal. On peut activer FaceTime. Et maintenant, on va essayer les appels. Tout marche à merveille. Pour plus de vidéos, like et abonne-toi.